toutes les personnes qui se sentent dans la sorcellerie, qui veulent délivrer la sorcellerie, j'ai besoin de ces personnes-là. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Kumo Adjaru. Je m'appelle Kumo Ruth. Kumo Ruth. Tu es venu avec qui? Avec ma maman, avec ma tante. Elle est où? Maman aussi là, c'est maman qui est là. Maman, Samy, t'es-tu dans ce jeu là? Tu cherches quoi? Papa, nous voit bien. Tu cherches quoi, t'es-tu? Rien, papa. Et rien, et puis tu m'aimes. Maintenant, lui-même, tu veux ta destinée là-ci. Donc, il y a des choses, vous mettez ça dans votre tête, vous êtes être bon. Bref. Tu veux savoir que je veux la quoi? T'as compris, papa? Qui t'a dit que tu as créé ça, toi? Comment tu veux? Qui t'a dit ça, Zali? Tu n'es pas content d'avoir changé de nom? Si, papa. Non, c'est ce que ça veut dire. Ça y est, même dans la salle, là, quand il est dans la salle, tu as dit que tu as marqué les noms. Tu es hier. Ce n'est plus. Oui, tu es venu avec ta mère? Oui, papa. C'est ta fille? Oui, papa. Vous l'avez envoyée? Oui, papa. Elle est là pour quoi? C'est dans le cas de la sorcellerie. Elle est sorcière. Ok. Donc vous voulez qu'on la bénisse, c'est ça? Oui, papa. Oui, toi, tu es sorcier, c'est ça? Oui, papa. Tu as fait quoi rapidement, dis-moi? J'ai gâté la joie de mon papa. J'ai tué 35 personnes et j'ai mis une maladie sur ma maman. J'ai gâté son argent aussi. Tu as fait quoi? J'ai gâté l'argent de ma maman, j'ai mis maladie sur elle, et puis j'ai tué 35 personnes. Tu as eu maladie sur elle? Oui, papa. Maladie sur maman? Oui, papa. Maman qui a perdu. Et quelle maladie, ton voyage? Au niveau de la colonne vertébrale, là, on a pris un bois pour la taper avec au niveau du cou. Hein? Au niveau de la colonne vertébrale, on a pris un bois pour la taper. On a pris un bois chaud pour la taper. Comment ça? La nuque dormait. Oui, papa. J'ai une forte douleur au niveau de la colonne vertébrale. Il descend dans mon rein. Il y a très longtemps de cela, papa. Mais tu peux savoir combien de temps. Ça fait bientôt 3 ans. Et comment la douleur se manifeste? Souvent, j'ai une très forte douleur dans le dos qui chauffe. C'est comme si ils sont en train d'allumer le feu des autres. C'est comme si on allumait le feu dans mon dos. Il y a une forte chaleur qui sort de là. Tu viens à l'hôpital ou tout ça? Oui, je suis allée à l'hôpital. Bon, je suis allée faire écho radio. On m'a dit qu'il n'y a rien. Qu'ils n'ont rien trouvé. J'ai tout en mal. Bon, même quand je prends un indigène là, il fait un tube, ça ne va pas toujours. La douleur persiste toujours. La douleur est toujours là. Et comment il se manifeste, cette douleur? Bon. Souvent quand ça vient, quand j'ai mal, j'ai du mal à me redresser. Souvent pour me redresser, il faudrait que je me penche ou je m'adosse sur quelque chose. Tu vas te guérir. Amen. Amen.
On poursuit dans le micro, la fille. Non, tu restes là. Oui, toi. Touche un peu là. Voilà, comme on reste, comme ça, je te vois un peu. Comme ça, je te vois. Tu dis, tu as tué combien? 35 personnes. Hein? 35 personnes. Comment tu l'as tué, 35? Comment tu l'as tué? La nuit, je vais chez eux et puis j'appelle les âmes trois fois. Et puis je prends pour partir. Tu as quel âge? Il y a 14 ans. Il y a 14 ans, tu tues 35 personnes. Et tu as gâché la vie de ta maman et celle de ton papa. Il va pas. Tu vas à l'école? Il va pas. Dans quelle classe? Je passe en 4e. Hein? Je passe en 4e. Et tu as fait quoi d'autre? J'ai gâté l'argent de ma maman aussi. Tu sais, tu as déjà dit, tu as dit que tu as gâté l'argent de ta mère. Comment tu as gâté son argent? On était. Je lui ai demandé de l'argent. Et la nuit, quand on est parti dans le monde de la sorcellerie, on a travaillé dessus. Et puis on a mis ça dans le canari. Tu as demandé de l'argent à ta maman et quand elle t'a donné, tu as pris l'argent et tu allais emboutir l'argent, c'est ça? Oui, papa. Ça s'est passé comment? Quand on est arrivé là-bas, on a fait un cercle et puis on a mis l'argent au milieu. Chacun est passé à tour de rôle pour parler. Je t'entends quand tes parents n'ont pas l'argent. Non, papa. Ça dit quoi? Non. Parlez dans le micro, parlez fort. Non, papa. Tu as fait quoi encore? J'ai gâté le travail de mon papa. C'est ça que tu as dit? Tu as dit ce que tu as fait avant. C'est tout ce que tu as fait? Non, papa. Non, papa. Oui, mais je veux t'entendre. J'ai mis maladie aussi sur les gens. Tu mets maladie sur les gens? Papa. Comment tu fais? Je souffre une poudre noire. Oui. Puis ça va sur eux. Puis je prononce une parole. Tu la maladie le prendre. Tu vas pas. Tu veux être délivré? Tu vas pas. Prenez le micro, je vais prier pour eux. Je crois à la puissance de Jésus. Vous savez, quand une personne qui fait la sorcellerie parle, c'est qu'il y a un démon en elle, il faut chasser le démon. C'est ce que je vais expliquer, parce qu'elle a fait les aveux. Voilà. Il faut que le démon parte d'elle. Voilà, il faut qu'on chasse le démon. Si on n'a pas chassé le démon, ça veut dire qu'elle-même, elle a encore possédé. Elle peut lutter la sorcellerie. Alors, il faut chasser le démon de la sorcellerie qui en elle pour que l'esprit soit habité par un esprit saint afin qu'il puisse maintenant faire les choses selon Dieu. Lève tes mains comme ça avec toi. La puissance de ton esprit se manifeste et je veux commander à ce démon depuis divin de te battre, toi esprit de la sorcellerie qui habite le corps de cette fillette. Je t'adore maintenant. Sors et maintenant. C'est un ordre. Parle et maintenant. Je détruis ton pouvoir. Tu m'entends? Je détruis ton pouvoir maintenant. Voilà. Sors d'elle. Le feu sur toi. Le feu sur toi. Le feu consume tes œuvres. La puissance de Dieu. Depuis ta tête jusqu'à les plombs de tes pieds. Je commande à ce démon
et la sorcellerie qui habite ton corps, que ce démon-là te lâche maintenant. Allez, sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Va-t'en. Allez, va-t'en. Va-t'en, allez, va-t'en. Oui, va-t'en, c'est un mal. Allez, va. Le feu sur toi, le feu sur toi, le feu sur toi, le feu sur toi, le feu sur toi. Je commande à ce démon, je commande à ce démon, je commande à ce démon, l'esprit de la sorcellerie qui habite ce corps, je commande à ce démon maintenant, qui règne dans ce corps, qui sent la sorcellerie, lâche-la. Allez, sors-la. Allez, sois belle. C'est un homme. Lâche sa vie. Tu pars d'elle maintenant, mais la puissance de Dieu te délogue. Tu la libères maintenant. Par la puissance qui est dans le nom de Dieu. Tu pousses ton délire et tu pars. Tu sautes. Pousses ton délire et tu pars. Je commande à ce mal, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus. Et pendant que je parle, j'ai l'impression de voir comme des souris. Il y en a trois comme ça dans le terrain. Voilà. J'ai comme des souris qui vivent en toi, voilà, qui dévorent en toi des choses. C'est comme des souris, c'est petit souris. Alors je parle que ce démon, cet esprit, n'est-ce pas, qui est dans ce corps. Je commande maintenant, pendant que je parle, la puissance de Dieu se manifeste. Je commande, reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois-la. Reçois-la maintenant. Reçois-la maintenant. Reçois-la maintenant. Et vous partez d'elle. Vous partez d'elle et vous la libérez maintenant, dans le nom de Jésus. Reçois-la maintenant même. Sortez d'elle. Libérez-la. Voilà, libérez-la, c'est énorme. Libérez-la, c'est énorme.
libérez-la, c'est un ordre. Vous quittez son corps. Voilà. Sortez. 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 Je vous envoie jusqu'à sa bouche. Vous sortez de par 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 sa bouche. Vous sortez, voilà, de par sa bouche. Voilà, vous sortez de par sa bouche. Voilà, vous sortez de par sa bouche. Allez, 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 allez. Vous sortez de par sa bouche. Aïe! Un vent glacé. Un vent passé. Okay. Elle a senti comme la glace. Et pendant que je priais pour toi, Dieu nous montrait dans une vision qu'il avait comme deux, trois petites souris, n'est-ce pas, trois petites souris, blanc et noir. Le haut est blanc et le derrière, qui se promenait dans le terrain et tout ça qui descendait. Voilà. Et c'est ça que le mal était, c'est vrai qu'il n'a pas tapé, mais en même temps, il y avait un esprit, des esprits qui étaient injectés à ton corps. Alors, Dieu vient de te délivrer. Comment tu te sens? Je me sens bien, papa.
La douleur est partie. Oui, papa. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Papa, il y a pas autre chose. Maintenant, montre-nous ce que tu ne pouvais pas faire avant que tu vas commencer à faire. Bon, papa, avant, je refusais d'écouter la parole de Dieu. Non, c'est avec la douleur, Bon, avant, je ne pouvais pas m'asseoir longtemps. Quand je me lève, pour me lever même, j'avais des difficultés. Avant de me lever, il faudrait que je m'adosse sur la table où j'attrape une chaise. Je fais doucement, doucement, doucement pour pouvoir me redresser normalement. Oui, après ça, il n'y a pas ça. Bon, avant, je sentais comme un feu qui sortait de dans mon rein. D'accord. Et maintenant, tu sens le feu? Non, papa. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen, papa. Est-ce que tu peux la serrer dans tes bras pour dire je t'aime? Voilà, celle-là dans tes bras et montre, dis à ta fille que je l'aime. Je t'aime, ma fille. Et je vous déclare libérément de Jésus. Amen. Amen. Amen.